Hello les amis, c'est Fox, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ma vidéo compte rendu de vide-grenier et d'achat. On va commencer par les achats que j'ai effectués en cash dernièrement. Alors j'ai pris le plus bel la vie qui était à 2€ dans le cash, celui que j'aime le moins, dont je vous parle de temps en temps. Donc le plus bel la vie, c'est le premier opus, le secret de Dr. Livia. Donc c'est pas mal du tout ce petit jeu, surtout pour les fans de la série. De plus belle la vie, donc à 2€ alors qu'il était à 8 et à 6, je trouve ça intéressant. Puis bien entendu il est complet, j'ai nettoyé, et c'est des petites énigmes que l'on a à résoudre les unes après les autres, et tout en dialoguant avec les personnages, en allant voir s'il y a un objet qui peut interagir avec tel truc, etc. Enfin c'est pas mal du tout, ils sont vraiment sympas ces petits jeux. Alors pour ceux qui aiment la série, c'est encore plus que ça quoi, mais c'est vraiment cool. Après, toujours dans un cache, il y avait le Obscur 2. En lui, j'ai payé 6€, je trouvais que c'est assez intéressant aussi. Il est bien complet de sa notice et de son CD pareillé, en très bon état. Et donc, ça, je l'avais déjà sur PlayStation 2, et donc le 1 et le 2. Alors, c'est une bande d'ados, c'est un peu comme les teen movies, on se retrouve dans un lycée, un hôpital, etc., poursuivi par des monstres, donc c'est vraiment le survival horror par excellence, classique, mais j'avais fait le 1 sur PlayStation 2, et j'avais bien apprécié. Le 2, par contre, je l'ai jamais fait, mais je sais qu'il est à peu près aussi bon, voire peut-être même un peu meilleur. Ensuite, j'ai acheté le Marvel versus Capcom, donc un jeu de combat vraiment bien fichu. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur ce jeu de combat. Et en plus, il était à 5€, donc franchement, j'ai pas laissé passer l'affaire. Ça fait plaisir, il y a plein de personnages, et franchement, la jaquette, elle déchire pas mal. Et même quand on n'est pas fan des jeux de combat, franchement, ça donne envie. Très propre en plus, voilà, très, très bel état. On va passer à ce qu'il y avait de mieux dans les caches. Alors là, j'ai craqué un peu le porte-monnaie. Je me suis fait plaisir, tout simplement. Alors, on va commencer par le Wild Arms 5. Donc, c'est un magnifique jeu de rôle. Il y a le Wild Arms, premier du nom, sur PS1. Et donc, c'est vraiment un RPG ambiance western, mêlant stratégie et puis un petit peu d'action aussi. Et il est complet, je l'ai payé 16,90€. J'ai laissé l'étiquette ici pour m'en souvenir. Voilà, je vais la virer. 16,90€, ça fait un petit moment qu'il était sous vitrine dans le cache. Ah, un petit peu de soleil qui me gêne. Donc si je cligne des yeux, ne vous étonnez pas, le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Donc pour en revenir au jeu, très très bonne pioche, je trouve. Il était sous vitrine, j'avais hésité un petit peu, j'étais passé une première fois pour demander à l'avoir un petit peu moins cher, le vendeur voulait pas. C'est vrai que c'est déjà un très bon prix, 16,90€, et très très satisfait de ce Wild Arms 5 sur PS2. Encore plus étonnant, c'est le Tales of Vesperia. Alors ça, c'est un jeu de... Donc c'est la série des Tales, un jeu de rôle, un JRPG. Donc vous connaissez tous les Tales, on en parle suffisamment, ils sont sortis sur beaucoup de consoles. Et le Tales of Vesperia, je l'avais vu dans une vidéo de Ryu Gaming il y a quelques mois, et il en parlait, et il disait notamment cette information très intéressante, comme quoi en fait le jeu n'a pas été traduit sur PlayStation 3, il existe, mais en version anglaise. Donc pour un jeu de rôle, vous imaginez que c'est pas top. Et seule cette version sur 360 est traduite intégralement en français au niveau des dialogues. Donc étant donné la densité de l'histoire, évidente, densité des interactions et des relations entre les personnages, je pense, c'est vachement utile, vraiment très utile de posséder cette version 360, même si je ne suis pas collectionneur sur cette console, je le répète, je ne collectionne toujours pas, et oui Max, je collectionne toujours pas sur 360, mais bon voilà, après s'il y a quelqu'un qui éventuellement veut me l'échanger contre un bon jeu sur une autre console, pourquoi pas, on peut voir, mais en attendant je suis content de l'avoir. Alors j'ai payé assez cher, j'ai payé 25€, voilà, 24,99€, pas négociable. C'est vrai qu'il a une certaine cote ce jeu, et j'ai jugé utile de le prendre. On a fini pour les caches. J'espère que la vidéo tourne bien, je crois qu'il n'y a pas énormément de batterie, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai rechargé. Donc on va passer au vide-grenier de dimanche dernier. À
avant ça, ouais, il y avait. C'est un. Je voulais montrer du dimanche dernier de Vic Grenier, il y avait ça, ou le dimanche précédent, je ne sais plus, il y a 15 jours. Je vais juste montrer ça parce que Koda l'a montré. Salut Koda. Tu l'as montré le jeu Gadget and Gadgetinies. Et je voulais te montrer que moi j'avais trouvé ça, en fait c'est un pack avec une télécommande PS2 sous blister le truc. Donc il était à 30€ là dans le magasin, vraiment. Sous blister, donc je trouvais ça vraiment sympa, j'ai eu pour 3 ou 4€. Donc je sais pas, dans l'immédiat je vais pas le défaire du blister, hein, ça sert à rien. J'avais déjà eu un gadget, un paper gadget sur PlayStation 2, il en existe un autre, c'est des petits jeux de. Sans prétention, un petit peu d'action, très facile bien entendu, plutôt pour les enfants. Je trouve que ça rend pas totalement comme le dessin animé de 83. On retrouve pas au niveau de la modélisation des personnages, je sais pas, c'est pas tout à fait ça. Mais ça reste un petit jeu de plateforme action sympatoche. Avant de passer au vide-grenier, de dimanche dernier, je voulais quand même signaler que j'avais terminé Metroid Fusion. J'ai adoré les aventures de Samus Aran sur GBA. S'il y a un seul jeu à faire sur GBA, c'est celui-ci. Enfin, pour moi, à mon avis, c'est un super jeu. Je vous l'avais montré sur ma page Facebook. Je l'ai eu au Portugal, donc c'est une édition portugaise. Mais on s'en fiche parce qu'il y a l'anglais, il y a ce qu'il faut quand même pour comprendre. Et puis, de toute façon, dans les Metroid, il n'y a pas un scénario énorme. On est dans un espace labyrinthique avec des grottes et tout ça. Et on doit évoluer avec son personnage. Et améliorer ses capacités, ainsi progresser en passant par en intégrant des passages secrets. Et il y a toute une ambiance, enfin, c'est assez indescriptible, et à la fois c'est très simple et très complexe à la fois les Metroid, mais celui-ci n'est pas excessivement difficile. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir le terminer sans m'aider d'internet ni rien. Donc ça m'a fait super plaisir. J'ai pris beaucoup de joie à finir ce jeu. Il était en état neuf, un état mythe. Je le recommande, il est encore disponible sur eBay pour. Je crois qu'il a augmenté un peu, le vendeur l'a mis à 29€. Mais franchement, ça vaut le coup. Je le conseille vivement si j'avais qu'un seul jeu, ça serait celui-ci à conseiller. Allez-y, c'est du tout bon. Et une bonne alternative voilà, quand on ne peut pas se payer le Metroid 3, en fait c'est Metroid 4, hein, c'est le Metroid 4, Metroid Fusion, et c'est Metroid 4, dans celui qui a fait suite officiellement au très connu Metroid 3 sur Super Nintendo. On arrive enfin au vide-grenier des dimanches, où là franchement c'était le top, j'étais super content, c'était le meilleur vide-grenier depuis le mois de juin, vous vous rendez compte. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tarder, je vais peut-être changer de plan de caméra, je réfléchis un peu. On va changer de plan de caméra, je vais mettre les jeux sur la table, vous allez voir Mimimine, mais ça va être plus facile pour présenter un peu plus en détail. Les amis, voilà, je suis plus à l'aise pour vous présenter les jeux face cam. On va mieux les voir, et puis moi je suis un petit peu mieux aussi au niveau, je sais qu'au niveau du son ça va être un peu plus fort, donc c'est cool. On y va, je commence par, donc c'était le matin d'assez bonne heure, j'ai trouvé un Pokémon version platine. Alors malheureusement il est en version anglaise, et ça je l'ai vu après l'avoir pris. Il était au départ étiqueté à 10€, d'ailleurs il l'est encore, voyez, mais la femme qui était très sympa a bien voulu me le céder pour 5. J'ai trouvé que c'était assez cool, même si je vous dis au début je n'avais pas pigé que c'était une version anglaise. Mais pour la collection des jeux Pokémon, bah c'est super cool. En plus elle m'avait filé deux cartes VIP, elle avait accepté que je dépouille ces jeux 3DS. Qu'elle vendit à 10€. Donc j'ai eu deux ou trois cartes. Donc c'était chouette. Donc le Pokémon version platine. Je vais le poser ici. Voilà. Ensuite on continue avec un petit peu de rétro sur Game Gear. C'est le Sonic KO. Alors c'était un monsieur qui vendait ça, une espèce de brocanteur qui avait d'autres trucs. Enfin non, pas un brocanteur, mais un mec qui avait des choses un petit peu hétéroclites. Voilà, qui n'avait rien à voir entre elles. Donc le Sonic KO. Alors le Sonic KO, c'est pas un jeu que je connais vraiment, ça, en fait, Sonic KO. Hein. C'est vrai que je mettrai un extrait, mais ça doit être assez suffisamment différent des Sonic 1 et 2. Sorte de spin-off, je pense. Et le Sonic KO, eh bien, pour 1€, il est propre. Donc dans sa petite coque de protection, je l'ai nettoyé bien sûr. C'est bien cool, le mec, en fait, je m'en fous, 1€. Bon bah, c'est bon, ça roule pour 1€, bonhomme. Pas de problème. Ensuite, on enchaîne avec des jeux PlayStation. Allez, on commence par la 2 ou par la
ou par la première PlayStation. Allez, par la 2. On commence par ce lot de 3 jeux que j'ai eu à 5 euros le lot. Il y a le Naruto Ultimate Ninja 3 qui est complet, en excellent état. Et donc vous voyez, ça fait vraiment un jeu de combat, d'arène. Ça fait vraiment penser à Dragon Ball, hein, ou Dragon Ball sur PlayStation 2. Moi, ça me fait penser à ça. Donc je sais pas si c'est très très bon, mais je crois que j'en ai déjà des Naruto sur PlayStation 2. Je m'y perds complètement, je vous avoue. Mais ce sont des jeux de combat, je pense, avec un petit peu d'exploration aussi entremêlée. Donc ça, c'est cool. Graphiquement, ça a l'air sympa. Et je crois que c'est pas mal d'avoir pris ce jeu. Ensuite, un jeu que j'ai déjà vu plusieurs fois dans les vidéos des amis, c'est Legend of Kay. Legend of Kay, regardez comme elle déchire cette jaquette, j'adore quoi. En plus, le jeu est très très propre. Et pareil, en état superbe. Donc, je dis des bêtises, car la boîte est un petit peu cassée ici. Donc je retire ce que j'ai dit, la boîte est un peu pétée, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un jeu de combat. C'est un jeu de combat basé sur les arts martiaux. Donc ça a l'air assez punchy, assez cool. Et donc je pense qu'il y a aussi une partie exploration, une partie action, aventure. Et vraiment c'est un personnage qui a l'air assez cool. Une espèce de chat apparemment. Hein. C'est un chat voilà qui poursuit une cohorte d'abominables rats. Donc voilà, ça a l'air assez déjanté. Et encore avec des personnages à tête d'animaux. Je suis assez sensible à ça, j'aime bien quand il y a ce côté-là. Ça rappelle tellement de dessins animés. Donc là, on change de registre pour le troisième jeu, c'est The Suffering, les liens qui nous unissent. Alors c'est une version française, là pour le coup je me suis pas fait avoir parce que je sais que la version elle existe en anglais avec donc un autre sous-titrage. Ça c'est un jeu qui ressemble vraiment à, fait penser à Silent Hill. Donc là pour les âmes sensibles, petit collectionneur, Trunks le Panda, Koda, ne regardez pas derrière la jaquette, parce que là franchement ça arrache. Il y a un côté Dead Space, il y a un côté Silent Hill surtout. Et ce jeu a l'air vraiment horrifique, quoi, puisque on est vraiment dans les profondeurs de l'enfer. Ça a l'air assez flippant et sombre. C'est un jeu midway, donc je pense pas que ce soit un jeu à la hauteur des grands hits Silent Hill, Resident Evil, etc. Mais à tester, je crois qu'il n'est pas si courant non plus. D'ailleurs, je suis allé dans un cache hier et j'ai vu qu'il y avait The Summoner, donc le jeu que le petit collectionneur avait montré, Summoner 2, Summoner 1, Summoner 2 je crois. Il était à 4 euros, mais je l'ai pas pris parce que voilà, il y avait la queue, enfin ça durait, il y avait la queue au cache et j'ai préféré m'en aller, peut-être que je le prendrai plus tard. J'enchaîne avec deux jeux PSP, donc c'était encore, on l'aperçoit dans la vidéo, les mystères du vide-grenier. Donc n'hésitez pas encore à aller voir cette vidéo parce que vu le temps que j'ai passé à la faire, j'ai plusieurs heures, quoi, ça a l'air de rien, une vidéo de 10 minutes comme ça. Mais si vous avez un encouragement à me faire, allez-y sur cette vidéo, quoi. Mettez des pouces, bon sang. Parce que franchement, cette vidéo m'a mis, je ne sais pas si je reprendrai ce concept, parce que peut-être mieux que je mette un live en fait avant la vidéo compte rendu, plus courte, quoi, parce que là, je me casse la tête à prendre une heure de film, à faire du montage qui me prend des heures. Enfin bon, c'est un autre sujet. Alors j'ai pris sur PSP Loco Roco 2. Je sais pas, il me semble que j'avais déjà, mais sans notice, je vérifie. Alors c'est un jeu bien sympa avec avec des notes de musique à ramasser. Attention, voilà, faut bien que je cadre. Des notes de musique à ramasser et des mini-jeux, donc c'est bien cool. Et je trouve que les graphismes comme ça très dépouillés, Loco Roco 2, ça a l'air bien cool, très reposant comme jeu, très zen. Donc pour 2 euros au lieu de 3. Et surtout le Silent Hill Origins. Alors ça c'est vraiment cool d'avoir trouvé ça parce que je le cherchais depuis un moment. Alors en fait ça reprend cette fois c'est le Silent Hill mais vu sous un autre angle. Le premier mais vu à travers les yeux d'un camionneur. Donc Travis il s'appelle. Et il a un problème, il fait une embardée sur la route. C'est le Silent Hill premier je pense. mais à travers les yeux d'un autre personnage. C'est ce que j'ai compris. Mais à voir, apparemment, vraiment, ou alors c'est une préquelle, mais je pense que ça se passe en même temps que le premier Silent Hill. À voir.
En tout cas, ça a l'air très classique. Enfin, très classique. Ça reprend exactement le même système de jeu que Silent Hill, que l'on aime, quoi. Enfin, moi, j'aime avec ces cartes assez gigantesques des rues de la ville de Silent Hill, l'inventaire. Et sans doute, la jouabilité est un petit peu lourde, mais bon, c'est pas grave. Et les personnages, on retrouve l'infirmière Judy Garland. Voilà. Lisa Garland, pardon. Lisa Garland, Judy Garland, c'est autre chose. Voilà, Travis Grady, c'est le mec en question, le mec que l'on incarne. Ensuite, j'ai trouvé ça pour 50 centimes. Ce sont les papiers de la Wii. En fait, personne n'avait les papiers de la Wii. Comme vous savez, j'ai la Wii dans une boîte de Wii U. Et là, j'ai le manuel et tout ça pour 50 centimes. Alors en fait, j'ai pris ça parce que je pensais trouver éventuellement des points VIP Nintendo. Je sais que c'est 1000 points que ça rapporte pour une console Wii. Malheureusement, ils n'y sont pas. On va passer à des jeux PlayStation 1. Alors là, il y en a 5 pour 4 euros. Plutôt intéressant. J'ai trouvé les 102 Dalmatiens à la rescousse, boîte en très très belle, non, elle est cassée, pardon, c'est la notice qui est en très très bon état. Et par contre, le CD, j'étais déçu parce qu'il est super, il est beaucoup super, super rayé, quoi, beaucoup rayé, dans ce sens-là, je veux dire. Il est rayé, donc pas sûr que ça passe, mais bon, pour 80 centimes, un jeu d'Eidos, un jeu de plateforme avec les mignons petits Dalmatiens qui sont 102 et non plus 101. La revanche de Nazira en platinum. Donc c'est un jeu dans la lignée Aladdin, bien entendu, puisque c'est marqué sur la jaquette. Hein. Regardez, j'aime bien cette publicité là à l'intérieur où on retrouve les jeux Tarzan, Mille et une pattes, La Petite Sirène 2. Donc les jeux Disney de cette époque-là, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Et en général, ça portait bien, quoi. Ça, c'était pas mal. Donc celui-ci, je ne sais pas si il est bien. À mon avis, c'est quand même moins bon, inférieur à l'épisode Mega Drive, tout simplement. Je ramasse un petit papier qui était tombé. Je pense que c'est inférieur à la version de Mega Drive, mais à essayer quand même la revanche de Nazira. Kirikou, que franchement, j'ai essayé ce jeu, j'y ai joué, et il est vraiment très 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 sympa. Je recommande ce jeu parce qu'il est cool, quoi. Tout simplement, c'est un jeu de plateforme, et il est assez intelligent et bien foutu. Il respecte énormément le dessin animé, mais il le respecte, mais à fond, quoi. regardez ça, il y a Wanadu dessus, voilà, produit par Wanadu. Et il vaut le coup, ce Kirikou. Ce Kirikou, il vaut le coup. Voilà. Ensuite, Mille et une pattes, que vous avez vu à l'instant sur la petite publicité. Mille et une pattes, je l'avais déjà, mais il ne fonctionnait pas parce qu'il était trop rayé. Cette fois, je l'ai repris, pareil, en platinum, et j'espère qu'il fonctionnera. Je pense. Il me paraît surtout un petit peu sale, mais en bon état. Jeu de plateforme, très bon petit jeu. C'est Pixar, oui, c'est Pixar en fait. Voilà, Pixar récompensé par un Oscar et Disney Interactive. Ouais, donc c'est en 3D et ça reprend bien entendu le dessin animé, quoi. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Le Mille et une pattes, moi ça me parle. Et enfin, le jeu dont le petit collectionneur a fait cadeau à sa petite collectionneuse, c'est Hercule, jeu d'action. Je sais pas pourquoi il y a marqué jeu d'action comme ça, c'est pas top, hein, ça, comme c'est un peu bizarre. Jeu d'action Disney présente Hercule. Normalement ça devrait être Hercule en haut, non? Croyez pas? Hercule en haut et un plus petit jeu d'action. C'est assez étrange cette présentation. Par contre la jaquette est vraiment attirante. Et donc un jeu que je connaissais à l'époque, mais auquel je n'avais pas joué. Mais il a eu, c'est sûr, une bonne publicité à l'époque. Il s'est fait remarquer déjà. Donc c'est pas seulement maintenant ou 10 ans plus tard. Non, non, c'est un jeu qui a eu de très bonnes critiques et une bonne publicité dans les années 90. Donc un jeu de plateforme vraiment qui respecte encore une fois le dessin animé et qui montre les talents de Disney Interactive, quoi, pour représenter des jeux Disney avec un certain soin graphique et de gameplay efficace. Voilà pour ces jeux PlayStation 1, donc les 5, je vous ai dit, c'était 1 euro le jeu, j'ai demandé un gratos, elle a dit ok. Elle a dit ok. Ensuite, je continue par cette petite housse de smartphone Game Boy, enfin voilà, représentant la Game Boy. Donc tout ça, c'est mignon, c'est sympa, voilà, 50 centimes au lieu d'un euro. J'ai demandé au mec, il m'a dit ouais, pas de souci, pas de problème. C'est cool, même si j'ai pas de smartphone, c'est là que c'est lol, c'est là que c'est rigolo. Je continue par cette poche à pain, en fait c'était du pain dedans, regardez, poche à pain, hyper U.
Et ce sont des, regardez ça, des guides Pokémon, pour les cartes Pokémon en fait. Je savais même pas que ça existait. Maintenant je comprends pourquoi on dit que les cartes Pokémon c'est complexe. Il y a énormément de posters. Alors il y a un petit peu d'humidité qui s'est malheureusement sur certains feuillets, mais globalement c'est en très bon état. Il y en a plein comme ça, c'est hallucinant, carte récompense. Alors il y a à la fois des espèces de posters comme ça et des guides expliquant les règles du jeu. Alors dites-moi plus, pour les personnes qui connaissent, dites-moi si eh bien tout simplement c'est intéressant d'avoir pris cette poche pour 2 €. Enfin bon, au niveau de, je voudrais savoir si c'est intéressant au niveau de ces règles du jeu, si ça sert à quelque chose, éventuellement si ça vaut quelque chose, hein, allez-y. Et je voulais vous montrer en fait surtout qu'il y avait quand même une notice de Spyro sur GameCube. Et vraiment, vraiment là, très intéressant, il y a, voilà, c'est ici, il y a des notices de DS. Ça, quand j'ai pris la pochette pour 2 €, je me suis douté qu'il pouvait y en avoir. Donc il y a la notice de Mario Islam Basketball, la notice d'Inazuma Eleven, notice d'Indestructible, Pokémon Blanche 2, Inazuma 2 Tempête de Feu, Inazuma Eleven, Pokémon version blanche. Ça aussi, ça c'est autre chose. Hein. Donc voilà, si vous avez des jeux sans les notices, vous pouvez éventuellement me demander, parce que voilà, ça peut toujours servir à compléter un jeu. Moi, ça va rien compléter, puisqu'en fait, ces jeux-là, soit je les ai déjà en complet, soit je les ai pas. Mais voilà, donc ça peut être sympa, ça peut être utile. Le reste, c'est vraiment, comme je vous ai montré, un lot assez improbable de cartes, de règles de jeu par rapport aux cartes et des posters, voilà, tout ça. Donc, sympa, je trouve que j'ai bien fait de prendre ça pour 2 €. Vous me direz ce que vous en pensez, bien entendu, comme d'hab. Si vous le souhaitez, bien sûr, pas se forcer. On continue, alors je commence à bien avancer là. On continue avec les lots les plus intéressants, on y arrive. Donc tout d'abord, il y a le Crisis Core que j'ai pris tout seul. Donc ça, c'est pas un lot. Pour 2 €, ça c'est une sorte de préquel à Final Fantasy VII. Donc assez intéressant, assez passionnant. Si j'ai le temps, je m'y collerai. Je vois qu'il est quand même, il a quand même un PEGI 16. Donc on se demande pourquoi, hein, pour un Final Fantasy. Est-ce qu'il a un petit côté... un petit côté provoquant, je sais pas, mais en tout cas, à mon avis, ça reprend quand même l'histoire de Final Fantasy, hein, sinon ça serait pas ça. Donc un spin-off ou une sorte de préquel racontant les origines, encore une fois, de Final Fantasy, puisque je vous rappelle que les histoires de Final Fantasy n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Donc le Final Fantasy VI ne précède pas du tout l'histoire de Final Fantasy VII. Ensuite, j'ai pris 2 jeux sur... donc c'était une dame qui vendait ça, elle vendait des jeux DS et 3DS. Elle les vendait pas cher, elle vendait 3 €. Bon, elle voulait pas négocier, mais j'ai finalement eu les deux pour 5 €. C'est Buffy contre les vampires Sacrifice. Donc un grand coucou au trésor du grenier. Fan de Sarah Michel Gellard, qu'on ne présente plus. Donc je sais que tu l'avais aperçu dans la vidéo avec ton œil aiguisé, tu avais aperçu qu'il y avait ce jeu dans la vidéo Les Mystères des Vides Greniers, tu m'as dit j'espère que tu l'as pris. Ben oui, je l'ai pris, tu vois, je l'ai pris, il est entre mes mains. Donc c'est un jeu qui est pas mal, qui est assez intéressant. Je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu qu'il était assez complet et qu'on incarnait des personnages, les personnages de la série. Donc moi je ne connais pas, c'est pas une série que j'ai regardée, hein, donc je vais en faire hurler certains, mais j'étais pas fan vraiment, je comprends tout à fait que ça puisse plaire, voire même passionner. Et on peut lancer des sortilèges, etc. Enfin, il y a tout un côté magique, mais c'est quand même à la base plutôt un jeu d'action, un jeu de combat. Et je crois que l'on peut à la fois jouer en TPS ou en FPS. Enfin, à la fois. On peut choisir d'avoir la vue à la première personne ou à la troisième personne. Ce qui est plutôt cool, moi, étant donné que moi, je préfère toujours les vues à la troisième personne, la vue TPS. Donc avec ça, il y avait le second jeu de ce petit lot à 5 €, c'est celui-ci, c'est le jeu Hollywood Crimes 3D. Donc c'est un jeu un petit peu inspiré du Cluedo, le jeu de société. Donc il y a des énigmes à résoudre, il y a pas mal de puzzles à effectuer, puzzle games, etc. Donc avec des personnages, certainement des petites histoires, des casse-têtes, des énigmes autour des meurtres, des crimes.
Et la jaquette est assez sympa. Je crois que, encore une fois, les trésors du grenier, tu l'as montré récemment en disant que ce genre de jeu, ma foi, était quand même assez cool, même si on en parlait finalement très très peu. Et c'est quand même des jeux qui utilisent les capacités de la 3DS avec l'utilisation du stylet, voilà, les angles différents, les interactions qu'on peut faire en soufflant peut-être sur la 3DS, des trucs comme ça. Et c'est franchement, je pense, un jeu assez distrayant qui peut plaire à, des personnes aimant les jeux assez posés, où il faut plutôt réfléchir qu'avancer ou tout détruire de façon brutale. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. En plus, pour le prix, c'est très très bien. Je continue avec ce jeu, donc on le voit encore dans la vidéo, à un moment donné il y a un gars, voilà, je lui dis est-ce qu'on peut négocier? Il me dit bah oui, finalement pour 5 euros je l'ai eu à 3 et c'est une superbe affaire. On l'aperçoit un peu, on voit ça dans les vidéos, box, et oui c'est pas une box mais c'est The Orange Box. Voilà, ça c'est vraiment un très bon jeu parce que ça regroupe en fait 5 jeux. Il y a Half-Life 2, il y a Team Fortress 2, il y a Portal et il y a aussi Half-Life 2. Et épisode 1, donc vraiment un beau mélange des Half-Life, sachant que de toute façon Half-Life c'est, et Portal, ben, y a un vrai rapport, un vrai lien très fort entre ces jeux, puisque ça se passe au même endroit, dans la même base, donc en fait c'est un peu la même chose, mais Portal 1 n'existe pas sur PlayStation 3, alors qu'il est sorti sur 360, il n'existe pas, on le retrouve simplement dans cette Orange Box. Donc c'est super cool, c'est vraiment c'est une belle compilation, c'est comme une compile en fait, hein, voilà c'est ça, avec des heures et des heures d'amusement pour cette Orange Box qui je pense n'est pas si commune que ça à trouver sur PlayStation 3. Donc apparemment c'est assez ancien hein, puisqu'on voit le côté noir ici, ça date pas d'hier. Je continue avec ce jeu électronique Mountain Biker, donc c'est un jeu Tiger, donc, Tiger c'est chouette quand même, regardez cette forme assez amusante, je l'ai nettoyé, il fonctionne et c'est pas extraordinaire, hein, c'est du jeu Tiger, donc j'avais déjà le jeu 101 Dalmatien sur pareil, hein. Et au début je pensais qu'il n'y avait pas le cache-pile parce qu'il était défait, il était dans une boîte. Et en fait, c'était ce cache-pile avec marqué Action Man. Donc en fait, je pense que c'est pas le cache-pile pour Mountain Biker, mais pour le jeu électronique Action Man. Bref, on s'en fout. Mais c'est pour dire que pour 50 centimes, quand même, je pouvais pas ne pas le prendre parce que c'est quand même un jeu Tiger, quoi. C'est un jeu électronique. Même si moi, je préfère les Game & Watch de très très loin. Ils ont quand même de la gueule, même si c'est surtout de la gueule en fait, hein, parce qu'au niveau jouabilité, les jeux Tiger, c'est très très limité. Pas faire grand chose à l'écran quoi, ils sont très courts en fait, on a vite fait le tour. Ensuite les meilleurs lots, vraiment les meilleurs lots de la matinée, alors je suis ravi, bon ça m'a coûté un petit peu de sous mais ça valait le coup, c'est le Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance sur 3DS de Square Enix. Regardez, alors je ne sais pas dans quelle mesure cet épisode sur 3DS est différent des épisodes PlayStation 2. Donc allez-y, dites-moi ce qu'il a en plus. En tout cas, il contient des cartes RA et elles sont bien présentes. Les cartes RA, en fait, on peut les découper. Voilà, il y en a deux. C'est ça, en fait. C'est ce truc-là. Voilà, il y en a deux. Donc en fait, on peut les découper. Bon, là, elles ne sont pas découpées. Hein. Le jeu est en état neuf. La notice neuf. J'ai gratté les points, comme vous pouvez le voir. C'est Bibi qui l'a fait. C'est moi. Et j'ai pas encore testé, mais franchement, bien content d'avoir ce Kingdom Hearts quand même sur 3DS. Et en plus, il y avait Dead or Alive Dimensions. Alors, il est sous blister, oui, et oui, il est sous blister. Donc, ce jeu, jeu de combat assez connu, une licence assez connue, ce jeu a été interdit en Suède, les amis. Et oui, il a été interdit en Suède. À cause de, vous pouvez vous en douter, de poses assez suggestives de la part des combattantes. Et les combattantes étaient un peu jeunes. Donc c'est pour ça que ce jeu a été interdit en Suède, mais pas en France. En France, il est effectivement sorti et il a tout simplement un PEGI 16, mais même pas un PEGI 18. Donc allez comprendre, moi je trouve ça ridicule franchement d'interdire ce genre de jeu. Si on n'en veut pas, ben, tout simplement on n'y joue pas ou on l'achète pas, mais il existe et je vois pas pourquoi. Enfin voilà, je comprends pas qu'il y ait de la censure comme ça. Dans certains pays, c'est quand même un jeu de baston, même si je comprends qu'on puisse ne pas aimer.
même si c'est un personnage, voilà, il y a quand même du graphisme, je pense, assez bon. On va l'ouvrir ensemble. Écoutez, on va le dévisser. On va le dévisser, puis je vais regarder comme ça s'il y a une carte valide. À mon avis, non, parce que le jeu garde de, date de 2011. Donc, ça doit être mort. Ça doit être mort. On va le dévisser ensemble. Alors, je dévisse. Allez, hop. Parce que c'est quand même bien d'avoir un jeu et de pouvoir en profiter. Je l'ouvre. Voilà, on découvre ensemble. On découvre ensemble qu'il y a une petite notice. Une petite notice, ouais, assez limitée quand même, hein. Casse pas trois pattes à un canard. En plus, elle est en verticalité, ça c'est assez abusant. Voilà, pourquoi pas. Et les points VIP, alors on va découvrir, 2011, à mon avis, c'est râpé. Et voilà, c'est râpé. Il expire le 20 novembre 2014. Donc râpé depuis un moment quand même, hein, avec le jeu qui est bien présent. Voilà, Dealer Love Dimensions, à tester. Donc avec le Kingdom Hearts, elle m'a fait les deux à 15€. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment, ça valait le coup. Maintenant on arrive au grand final. Donc encore une fois, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, mais c'est autour de Zelda. Avant il y a eu ça, Ocarina of Time 3D. Donc je ne présente plus cet immense succès. Donc là c'est pareil, les points sont périmés. Bon, je suis toujours avec ça, je sais. Le gars il regarde ça en premier, quoi. Il présente même pas le jeu, il parle des points, quoi. Alors, en fait, oui, là, j'ai vu ça, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Non, non. Il y a eu le jeu complet, quoi. Le jeu complet en excellent état, comme vous pouvez le constater. Je ne vais pas parler de cet énorme succès qui est Ocarina of Time. 4€. Voilà, tout simplement 4€ à une dame qui disait, ben voilà, c'est pour mon fils, il en veut 4€. Ben pas de problème, je sors les 4€, hein, même pas la peine de négocier. Ensuite, pour finir, le gros coup de la semaine, vraiment qui m'a ravi, mais alors un truc de dingue, parce que là je suis content pour longtemps, quoi. Je veux dire, quand on trouve ça, après une négociation aussi ardue, le Zelda Skyward Sword édition limitée avec la Wiimote. Comme vous le saviez peut-être, je cherchais une Wiimote puisque je ne pouvais pas naviguer sur ma Wii, étant donné que je n'avais qu'une manette GameCube. Donc je ne pouvais même pas naviguer dans les menus de la Wii et ne pouvais ainsi jouer à rien du tout. Je ne pouvais pas jouer. Donc là, j'ai le collecteur Zelda Skyward Sword. Donc, je ne sais pas si je vais vous l'ouvrir. Il y a des un petit peu légèrement abîmé, mais très très peu, quoi. L'état est vraiment très très bon. Allez, je vais l'ouvrir un petit peu quand même pour vous montrer juste comme ça. Il y a le jeu. Donc il était à côté, en fait. Il avait été enlevé de la boîte. Regardez le jeu. Bon, allez, je vais le sortir. Alors là, il y a les points aussi, non grattés. Mais je les laisse non grattés, de toute façon c'est périmé. J'ai eu tellement de mal à l'avoir. Par contre, il n'y a pas de notice, mais c'est normal, parce qu'en fait, la notice... Ah, attention, ne pas faire tomber. La notice, en fait, c'est une sorte de petit guide. Regardez, c'est carrément un livret assez bien foutu, quoi, sur Skyward Sword. Donc Skyward Sword, en fait, j'en ai vu de nombreux let's play à l'époque. J'ai vraiment vu beaucoup de ce jeu, puisque j'étais très loin d'avoir une Wii il y a 4 ans, vous imaginez, et même de vouloir jouer à la Wii. Donc j'avais vu de très nombreux let's play sur ce jeu. Je m'étais donc fait une idée, à défaut de me faire un avis. Je sais qu'il lui manque ce supplément d'âme que l'on retrouve sur les Zelda antérieurs, mais que ça reste tout de même un très très bon jeu, quoi, un jeu divertissant. Et donc c'est quand même un Zelda, je pense, qui au fil des ans, au fil des années, prendra un peu plus d'intérêt auprès des joueurs. Donc ça fait vraiment plaisir. Il y a le 25e anniversaire de Zelda, c'était à cette occasion. Donc il y a la Wiimote, regardez comme elle est. Alors il lui manque seulement, dans ce collecteur, il ne manque qu'une seule chose, et c'est la chose la moins dérangeante. Pour moi, c'est le petit étui qui protège la Wiimote. C'est ce petit étui qu'il y a, donc qui est disponible pour 3 ou 4 euros sur les sites. Donc tant mieux, parce que c'est un moindre mal, parce que tout est complet. Regardez le disque du 25e anniversaire, le CD avec les musiques de Zelda. Donc ça, c'est encore une fois un objet
bien collector, qui porte bien son nom. Les collecteurs ne se foutaient pas de la gueule du consommateur à cette époque-là. Ça n'a rien à voir avec les packs que l'on fait maintenant, style Mario, où on vous met un amiibo et vous avez des trous dans la boîte. Là, la boîte, elle était bien occupée, elle était bien remplie. Donc il y a ça. Alors j'ai mis des sacs de croquettes, en fait, parce qu'il était un petit peu plié. On voit encore qu'il est un petit peu en état moyen, ce petit livret, c'est par rapport à la symphonie, voilà, la symphonie de musique, avec, vous reconnaissez, de très grands développeurs, Miyamoto tout simplement, regardez ça, cette image vraiment très sympa, représentant la Triforce, tous ceux qui ont bossé sur Zelda 25e anniversaire. Donc ça, c'est excellent, c'est tout simplement une image de joie. Regardez, il a l'épée et il a le bouclier. Donc ça, c'est le petit détail qui tue, quoi. Donc ça fait trop plaisir d'avoir ça. Moi, ça me réjouit, quoi. Je veux dire, après une négociation aussi dure auprès de la bonne femme, comme dirait Ryu Gaming, la bonne femme assez désagréable, qui est désagréable parce qu'elle avait ça sur son étal et elle n'en savait rien, quoi. Elle me dit, je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai aucune notion. Puis elle me répétait ça à l'envi, quoi, à qui mieux. Elle arrêtait pas de me dire, je sais pas combien ça vaut. Donc, en fait, si tu sais pas, pourquoi tu le vends, quoi? Ouais, ça a coupé les amis. Donc je disais, c'est sûr que si le jeune revient, son fils, je pense qu'il ne l'aurait probablement pas laissé à 10, 15 ou même 20 euros. Donc j'ai insisté, comme vous avez vu, je pense avec courtoisie tout de même, même si j'ai commencé un petit peu à chauffer à blanc, là, à me chauffer un petit peu à la fin quand même, parce que quelqu'un qui vous dit sans arrêt, je sais pas, ça m'embête, je ne voudrais pas faire d'impair, etc., ça commençait à devenir un petit peu saoulant. Donc heureusement que Marie-Christine, son amie, enfin sa collègue du stand d'à côté, est venue répéter le mot manette, qui m'a bien servi à minimiser la chose. Ah oui, manette, oui, motte. Et donc là, oui, ce n'était qu'une manette, si on allait par là, avec un jeu, c'est tout. Donc 20 euros, écoutez, je pense que quand même 20 euros, c'est bien investi. Et puis en même temps, 20 euros, c'est de l'argent quand même. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Tout simplement, c'est bien. Et je suis ravi, mais alors ça me fait un plaisir immense d'avoir cet objet. Franchement, là, je suis limite à dormir avec, quoi, vous voyez. Parce que je trouve pas d'objets comme ça, moi. Je trouve c'est très difficile, il y a une grosse concurrence. Bref, je vais pas blablater, papoter comme ça pendant des heures à dire un peu de la merde, c'est pas très intéressant. Donc je vais vous faire ce compte-rendu vide-grenier et achat au cash. Je crois que je l'ai assez bien fait, donc je suis assez satisfait. J'ai parlé un petit peu des jeux autant que j'ai pu, parce que franchement, j'ai pas tout testé, loin de là. J'ai même pas testé grand-chose. Il faut du temps pour faire tout ça. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une appréciation, ça me fera bien plaisir. Et comme vous le savez, je répondrai avec tout autant d'enthousiasme et de joie de partage. Écoutez, je vous dis à plus les amis, c'était Fox, allez à bientôt.